Bon, on a une bonne équipe tunisienne. Ils étaient vraiment regroupés derrière, donc c'était difficile de trouver des espaces. Voilà, on a fait une meilleure deuxième mi-temps que première mi-temps. Et on sait que c'est difficile de jouer contre des équipes bas, donc voilà, faudra progresser sur ça. Bah, comme j'ai dit, c'est incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça personnellement. Et voilà, on les remercie de leur soutien parce qu'aujourd'hui, c'était fantastique. Ouais, un public incroyable. Ça faisait, je crois, 10 ou 12 ans qu'on n'avait pas joué ici. Ouais, depuis 2011, voilà, c'était incroyable. Ils nous ont magnifiquement accueillis. Il y avait une belle équipe de la Tunisie qui était bien compacte, bien en place. On a su les manœuvrer, mais on n'a pas su trouver la brèche. Et on apprend pour la suite, hein, Inch'Allah. Avec plaisir. Tout le public algérien, de toute façon, c'est magnifique. انا اللي تو اللي نحب نقوله اللي نقول اللي جمال الكوتش جمال بالماضي اللي من بعد المقابله ديريكت لقيته في الفيستير نتاعنا وطلب مني السماح وطلبت منه زاد السماح وهذا هو اللي يبقى الحاجات اللي صارت في التيران ننساوها وتونس والجزائر اخوات وشعب واحد وميرسي بوكو للجمهور الجزائري على حسن الاستضافه اللي صارت للمنتخب التونسي صحيح كانت مباراة تكتيكية ممتازة بالنسبة للزوز منتخبات عرفنا كيفاش نوقف المنتخب الجزائري قدام الجمهور الكبير اللي حضر اليوم اللي نشكرهم الجمهور المنتخب الجزائري وسيرتو المنتخب جمهور المنتخب التونسي اللي حضر كانت مباراة كبيرة وعرفنا كيفاش نوقف المنتخب الجزائري كل مع البيبليك اللي شفتوه اليوم هنا في عنام برافو للبيبليك اللي حضر اليوم فريمون حاجة تشرف المنتخب الجزائري c'était un match spécial, parce que voilà, comme tout le monde le sait maintenant, mon père est algérien, ma mère est tunisienne, donc ça voilà, c'est un match spécial. J'aime mes deux pays, je suis fier d'être algérien, je suis fier d'être tunisien. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai que ça a été spécial. Après le match, j'ai trouvé qu'il y avait c'était un bon match, je pense qu'il y avait de l'engagement des deux côtés, ça voulait gagner, donc ça donne, je pense, un bon match, en tout cas de l'intérieur, ça donne un bon match et puis ouais voilà on est content que ça se passe bien et que voilà montrer que avant tout on est des frères et c'est beau de voir ces images là. Magnifique, franchement je les remercie de l'amour qu'ils m'ont donné, c'était vraiment beau et moi qui avais l'habitude de suivre l'équipe d'Algérie à la télé, le fait de le vivre ça fait plaisir, c'est quelque chose de spécial, ça fait plaisir. Et voilà, alhamdoulilah, je suis content aujourd'hui et comme j'ai dit, j'espère que les deux équipes auront un magnifique futur, Inch'Allah, et je le souhaite en tout cas.